J'ai 25 vaches à la traite en général, ce qui fait un troupeau de 50-55 bêtes avec les génisses, avec les veaux. Donc, on essaie de valoriser au maximum le pâturage, donc du mois de mai jusqu'au mois de octobre-novembre, et notamment par la traite en alpage sur les mois de juin, juillet, août et des fois septembre. Et, et aussi par l'irrigation par qui nous permet de, de prolonger cette saison de pâturage, parce que dans, dans notre région d'Alpes sèches, on a besoin de ça pour, pour faire un peu d'herbe. Le but de, de la traite en Alpage, c'est d'être au plus proche de l'herbe. Euh, donc d'habitude, c'est vrai qu'en septembre, on est encore sur un pâturage, euh, c'est un demi-alpage, c'est un endroit où on a fauché l'herbe, on a arrosé. La spécificité, c'est qu'on... Il faut y aller avec la voiture, il y a beaucoup de matériel. Euh, et, mais par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est là-bas, euh, enfin, on est en plein air, les vaches sont bien, elles n'ont pas à circuler, elles sont mieux, on va dire. Et, le travail est différent. C'est aussi la, ce qui me plaît dans ce, dans ce système c'est que bon, on passe une période dans, dans le bâtiment et puis une période, on est en extérieur et les vaches, euh, on peut plus sur la route, mais un peu moins dans le, euh, dans le nettoyage du bâtiment, etc. Et là, on est dans des endroits où. L'herbe, elle évolue très vite et donc c'est compliqué de, de, de gérer l'alimentation. Enfin, il y en a qui, qui arrivent peut-être beaucoup mieux, mais <laughs> moi, c'est ça que je trouve compliqué. Quand on est dans un bâtiment avec une ration en foin qu'on cale, c'est un, un peu plus facile, on va dire, à, à, pour la production en laitière. Quoi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, enfin, de produire du lait pour une coopérative euh, au niveau local qui fait du fromage. Parce qu'il y a une attente, a, dans une région touristique, il y a une grosse attente. Quand on est un peu victime de notre succès. Petit à petit, on, on manque de, de, de fromage. Et donc, c'est peut-être qu'on attendrait des, enfin, des organismes, que ce soit les... Consulaires, les champs consulaires ou la maison de l'élevage, mais plus, plus généralement enfin, de, des politiques qui disent oui, nous on veut des produits locaux, on a un peu du mal à, à renouveler. C'est un métier d'astreinte tous les jours, le matin, le soir, il faut y être. Et c'est ça qui fait un peu peur aux nouveaux installés et même à d'autres éleveurs qui préfèrent un élevage un peu moins astreignant au quotidien. Merci d'être venu jusque-là, vous êtes déplacé pour voir une exploitation comme ça, c'est toujours sympa de, de, voir, de voir du monde parce que, comme on disait, c'est un métier qui, qui nous bloque bien, donc on est content d'avoir des visites et de rencontrer des gens. Alors, dans le cadre du CERAM, il nous semblait important de venir à l'ERL de Les chez Thibault euh, Rougon, qui est donc adhérent à Cap Tarentaise, euh, bah, tout d'abord parce qu'il il utilise des tarines dans son troupeau, et donc il exploite à fond ses capacités, il pratique l'alpage et il a comme objectif de valoriser l'herbe au maximum. Donc c'est vraiment utiliser au mieux la, la race tarine et ses aptitudes. Ça nous a permis aussi de faire un petit zoom sur le schéma de sélection de la race, les objectifs de la race. Voilà, parce que Thibault, même s'il est humble, il travaille en insémination, il partage des objectifs de sélection de la race et pour nous c'était un bel exemple de ce qu'on peut faire avec cette rastarine. Donc lors de cette journée on a parlé de progrès génétique et de schéma de sélection. Cela n'est possible que si la race pure est utilisée au maximum. Donc afin d'accompagner les éleveurs à cette pratique là, on a développé au niveau de Cap une filière de valorisation des petites femelles. Ça permet de valoriser la génétique, les futures laitières, mais aussi une filière de valorisation qui s'appelle le veau de nos montagnes pour euh, donc rémunérer au mieux les petits veaux mâles de race pure. Donc euh, la filière est créée, la marque est déposée, on, les débouchés commerciaux sont sécurisés et chaque année on est prêt à acheter valoriser 350 mâles qui sont engraissés et qui sont vendus après dans les réseaux des coopératives laitières et des bouchers locaux sur le secteur de la Savoie.